Salut, c'est Maillard. Nouveau défi, nouvelle archive. Cette fois-ci, nous devons faire un focus sur les moteurs ou du moins ralentir leur progression, casser leur progression, casser tout simplement les moteurs alors que les survivants doivent en réparer un maximum dans la partie pour s'échapper. Alors, nous avons une combinaison de 4 compétences et pas n'importe lesquelles. Nous en avons une notamment sur laquelle je ne m'intéressais pas du tout, qui appartient au cochon et qui est surveillance, la troisième en partant de la gauche, et qui consiste tout simplement à connaître l'aura, le statut des moteurs lorsqu'ils sont réparés, lorsqu'ils sont en progression ou ralentis une fois que je les casse, parce qu'il y a une aura blanche qui apparaît autour. Nous avons également surveillance, à part surveillance, nous avons surcharge. Surcharge qui appartient au docteur, qui fait que lorsqu'on le casse, si par exemple un survivant essaye de le réparer immédiatement, eh bien il a un QTE qui apparaît immédiatement avec une difficulté plutôt délicate. Nous avons également le tour et jouer qui appartient au clown, qui fait qu'une fois accroché un survivant sur un crochet, nous pouvons casser un moteur et donner un rétrograde de 25%. Ce qui est assez vénéré. Et enfin, nous avons la quatrième paire qui appartient au démon Gorgon, qui consiste tout simplement à faire exploser les moteurs dans un rayon proche une fois que l'on fait tomber un survivant dans un état critique. Donc, une combinaison de 4 paires, que vous pouvez évidemment ajuster ceci avec les accessoires liés à votre personnage. Mon main trapper est ici et ça surprend personne finalement, parce que c'est avec Myers et aussi avec la chasseuse ce que je préfère. Eh bien, voilà, je vous laisse voir les dégâts que ça peut donner avec ces 4 combinaisons de 4 tueurs complètement différents. Et je vous laisse faire vos propres expériences et me faire le retour en conséquence. C'est parti, mon... Bien. L'archive de casser. Non pas ce que j'ai en tête, mais le casser... 4 fois le même moteur. La combinaison est intéressante en termes de comment dirais-je, d'optimisation, parce que ça réduit un maximum l'évolution des moteurs. Et surtout, ça donne une perception des moteurs. Là, on va casser le loop en faisant ceci ici. C'est pas forcément le plus optimisé, mais pourquoi pas. L'idée, c'est de récupérer un maximum de... Ouais, bah je suis pas content, ok. C'est pas comme ça qu'on réussira à faire l'archive. C'est mentalité nulle, quoi. Nul. Nul. Ouais. C'est ça, ouais. Alors je viens, je sais qu'il y en a un autre par là, hein, mais je viens juste récupérer le piège. Je viens pas pour vous embêter. Hein. Oh non! Quelle est donc cette mentalité? Oh mais je t'ai vu, hein, mon gars. Mon David! Ah mais où tu es? Ah, t'es là. C'est bon, comment ça se passe? Je t'ai vu. Oh non! Allez, mais pourquoi vous... Hein? Bon. Je sais que vous êtes là, je vais juste récupérer là. Voilà, je vous laisse pour votre... copain. Ah yes. Salut, ça va? Je suis méchant. Bonjour. Ouais, t'as vu? Je suis trop malin. Oh non, non, t'as continué, t'as continué, t'as continué. Oh là 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 là, revoyons la sous-préfète. Allez, allez-vous-en. Moi j'ai posé mes pièges tranquillement. C'est ce que je fais. Alors vous faites quoi là? Oh. 1, 2, 3, nous irons au... Ok, très bien. Non, non, non. Non.
pas très très content. Alors là, on va faire quoi? On va faire, hop là. On va poser deux pièges ici. On sait que s'ils veulent le réparer, ils vont s'abîmer. Tout simplement, hein. J'ai tous mes pièges qui sont là. Troisième qui est là-haut. Celui-là qui est là. Ah ok. Celui-là qui est ici. Donc s'ils veulent casser les pièges, ils peuvent. Hein. Là, il faut que je piège ces trois moteurs. Il faut que je garde. Ils vont réparer celui-là qui est au fond. Celui-là peut-être. Oh! N'aurais-je pas vu un corbeau s'élever dans le ciel? Mon gars. Si, hein. Là, on va fonctionner à l'usure. Nous savons, nous repérons. Bonjour. Bonjour. Je suis méchant, bonjour. Très bien. Tu vas par où? Tu vas par là? Pourquoi pas? Donc, avec ça, et c'est une très très bonne idée, je sais exactement où est-ce qu'ils en sont. En termes de progression, c'est-à-dire que je sais que celui-là est cassé, celui-là est cassé. Et la compétence du cochon, franchement, je ne m'attendais pas à pouvoir m'en servir comme signe de repérage aussi évident. Et ça, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal, parce que je sais... Voilà. Très bien, je sais qu'ils en sont encore là. Mon gars. Bah oui. Au bout d'un moment. Ils ont cassé eux-mêmes le moteur. T'es passé par où? T'es passé par là. Donc c'est très bien. Ils sont un peu en stress. Je remonte. Voilà, je le casse. Et de deux. Faudrait que je mette un piège de hauteur. Faudrait que je vérifie quand même en passant par là-bas. Ça, attention les pieds! Ah, il y en a un qui est par là. Très bien. Ça, c'est une bonne... Voilà. Ça, c'est pas mal. Ça, attention les pieds! C'est ce que j'ai dit! Incroyable ça! Pas la palette! Pas la palette! Pas la... Ah quand même, ça commence à être intéressant là. Voilà, je sais maintenant. Je t'ai vu. Oh là, c'est pas nul. Toi aussi je t'ai vu. À chercher les autres. Voilà, très bien, excellent. Attention, c'est dangereux! Ok, par contre, il y en a un qui était juste là. Il me semble que c'était l'autre. Alors. Mec. Pourquoi? Tu veux louper? Eh, tu vas sacrément louper, mon gars. Alors. Je te vois, mon gars. Tu veux faire quoi? Tu veux faire ce que j'ai en tête, hein? Non, hein? Ouais. Alors, vous êtes légèrement blessé, ce que je peux comprendre, hein. C'est un peu le concept de mon personnage. Vous venez... Vous voulez venir l'aider? Salut Jean Kiki. N'hésitez pas à venir l'aider, hein. C'est pas mal, vous êtes tous blessés là. Vous commencez à comprendre l'étendue de... Mon gars. Mon gars. Vous commencez à comprendre l'étendue de votre problème là, j'ai l'impression. C'est un gros problème. Attention! Vous êtes deux par là-bas. Hein. Une de vous deux va. Attends, tu m'as miné là? Comment t'as disparu? Oh, je sais pas du tout comment t'es disparu, c'est pas grave. Ah, t'es là. Bien.
Salut, attention, c'est dangereux. Ok. Et là, je vais aller par là-bas. Est-ce que je t'ai vu là par ici? Je sais que vous êtes en train de réparer celle de là-haut, je vais arriver, vous allez pas être content, je vais casser le truc avec... Salut, bah oui t'es blessé, tu préfères faire quoi là? Qu'est-ce que tu préfères? Voilà. Le tour est joué. Tentative de déstabilisation du joueur Irlande. Non. Attention! Ah. Voilà, et c'est recassé là-haut. Voilà, c'est parfait. Non, pas ça! Non, pas ça! C'est pas très gentil, ok? Sauf que là, ce qui est un peu compliqué pour eux, c'est que comme ils ont fait tomber la palette... Eh bien... Comme ils ont fait tomber la palette, je vais pouvoir, moi, poser un piège juste derrière. Juste ici. Parce que là, ils ont pas le choix. Par contre, j'espère qu'ils vont pas avoir le temps de réparer l'autre moteur là-haut, hein. Que je tunnel pas spécialement. Salut, bonjour. Bonjour. Je suis méchant. J'ai dit que j'étais méchant. Mais t'as pas compris quoi Sérieux. Qu'est-ce que vous avez pas compris? Et je sais que vous êtes remonté, c'est pas le truc à faire. Ouais. Salut, bonjour. 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 Ah là, ça va être très compliqué pour vous là, les gars. Ah ah. Et je dis non. Allez, on va finir l'autre moteur. Allez, salut. On va finir l'autre moteur là-haut. Hein. Quasiment. Ah, mais ils sont deux là-haut. Très bien. Ils vont quasiment le finir ou ils vont l'avoir fini. On va faire un truc. Hein. On va poser ce piège là. Salut. Papapalala. On va aller faire le tour de l'autre côté. Ah bah oui, parce que t'as toujours eu l'habitude que j'aille de l'autre côté, mon gars. La 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 la. Ta 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 la la. Na na na. Là, l'usure. Allez, vas-y, fais le tour. Vas-y, va à gauche, hein, ou à droite, comme tu veux. Du coup, là, il faut que je récupère celui-là de piège. Alors, ça, ça va. Faut que je remonte. Non. Allez, bon, l'avoir fini. Ok, maintenant, ça commence à resserrer les liens. Celui-là, il est bon, celui-là, il est bon. Du coup, il faut que je mine à mort les autres côtés. Et là, c'est ce qui se passe. Là, c'est absolument ce qui se passe. Il y a peut-être quoi? Voilà. On va bloquer ça. Le défi est fait ou pas? Je sais plus. Voilà. Je n'ai pas remarqué. Hein. Pourquoi faites ça, le gars? Ah, vous êtes là? Vous êtes dans les placards? Vous avez fait ça? Non. Vous avez fait ça? Non. Mais pourquoi? Attention! Alors, j'ai dit attention, hein, mais soit. Hein. Attention, 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 attention. Vous êtes deux par là-bas, deux par ici. Le défi est fait. Il faut que je revienne par là. Mon gars. Je sais que... Attention! Qu'est-ce que j'ai dit?
Qu'est-ce que j'ai dit? C'est flipper. 8 mois de soutien, très bien, merci à toi. Ah bah oui. Ah bah oui. Alors, ça, ça va. Je sais que vous êtes juste là. Vous cassez les moteurs. Je sais que toi, tu vas te faire secourir par ton pote. Allez-y, c'est bien. Très bien, très bien. Et 2-1. Allez, et 2-2. Mais je sais que t'es là. Attends. T'es là? T'es sérieusement là? Alors, bon, très bien. Ah bah oui, maintenant c'est très compliqué pour vous les gars. Hein. Très compliqué. Bah, c'est bien, continuez par les moteurs. Boum. Parfait. Toi t'es accroché, moi je reviens vers toi. Attention, c'est très dangereux. J'ai dit quoi? J'ai dit que c'était très dangereux. Ça sera pas suffisant mon gars. Alors ça c'est pas mal. Je sais que toi t'es là. Je sais que vous, vous réparez le moteur par là-bas. Je sais pas si ça compte. Salut Langdeuf. À toi aussi Langdeuf. Oui bah excellent. Ah ça valait le coup hein. Ça valait le coup de fifou hein. Bravo. Franchement. Franchement, excellent. Ça va le coup. Ah, il faut fuir maintenant. Faut fuir les enfants. Allez. Voilà. C'est très bien. Voilà. Bravo. Maintenant. Voilà. Allez. Va falloir vous abîmer les patounes, hein. Si vous voulez réussir à faire un truc, là. Va falloir vous abîmer sacrément les patounes. Alors, ça c'est bon. Ah bah oui, mon... mais... Quoi? Qui s'est pris quoi comme piège? Je sais même pas qui s'est pris un piège. Ok, d'accord. Il y avait 3 pièges. Mais oui, il y avait 3 pièges. Vous êtes tous ici hyper blessés. J'ai l'impression que ça va pas. J'ai l'impression que ça va pas. Ok, oui, tout à fait. Allez, on y va. On va poser ici et on va aller chercher le reste. C'est l'usure. Hein. Tu passes à côté? Ah bah, moche, moche. Hein. Alors pour le piège, c'est ok. Qu'est-ce que vous faites là-bas, mon dieu? Je t'ai vu. Oh. Oh non! Mais non! Oh, alors ça, mon gars! Alors ça! Alors ça, mon gars! Alors ça! Mon gars. C'est le zéro bravo quoi. Franchement. Je sais ce que tu penses. Je pense la même chose hein. Alors là ce que je vais faire en revanche. Je vais poser ça là. Voilà, je vais faire ça qui est dégueulasse. C'est-à-dire que je vais pose ce piège ici. Voilà, c'est bien. Vous allez devoir... Vous avez que 2 moteurs à pouvoir faire. C'est pas jojo, c'est pas joli. Là, vous êtes coincé de fifou. Donc là, je pose le piège là-bas. Moi.
L'idée, c'est... Sérieux. On a 3. 3 plus c'est pas possible, en fait. Hein. Plus c'est genre, je fais... j'ai l'impression de jouer à un petit... Vous savez, je sais pas si vous connaissiez ce jeu-là, le Mikado. Mais version piège à loup, quoi. Donc, un... Ah, très bien. Voilà, on fait ça. Accroche un. Du coup, maintenant que les deux pièges sont posés, je pourrais être plus dégueulasse et poser un deuxième piège côte à côte. À côté, une fois qu'il pose le premier, c'est-à-dire qu'il doit passer à côté du deuxième. Et je sais ce que je vais faire, parce qu'on est un peu dégueulasse. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? On va faire ça, on va faire un truc dégueulasse, c'est-à-dire qu'ils vont devoir casser ce piège pour ouvrir, ce qui est dégueulasse. Et une fois qu'ils l'auront cassé, ils vont devoir casser ce deuxième ou le contourner. Sauf qu'il va pas avoir le temps de le contourner, le pauvre. On va pas avoir le temps. Donc là, je mine là, je vais arriver de l'autre côté, ils vont essayer de réparer le moteur. Ça va être compliqué pour eux. Donc là, l'archive est accomplie. Mais là, on est ouais, à un niveau de dégueulasserie qui est assez agréable. Et qu'on aime bien, finalement. À moins qu'ils aient une clé pour retourner la situation, ce qui est plutôt pas mal. Eh bien, ouais. Faites ce moteur en face? Non. Sous le soleil des taux... Je t'ai vu, mon gars, je sais que t'es là. Oui, non, non, mais s'il y a que moi qui fais ça! Attention, c'est dangereux! Ok. Attention! C'est dangereux! Ah bah quand même! Très bien! Non. Allez. Oh non. Il a foncé, fallait se mettre dessus, mais ouais, mais j'aurais dû mettre juste pile dessus, genre en mode Bouddha, tu vois, mais mec